c'est à vous. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à CB News. Je me suis permis d'enlever le masque parce que toutes les conditions sanitaires sont parfaitement respectées. Je vous remercie pour ça. Chaque année, la FEVAD et KPMG ont traité un sujet majeur, inspirant, sur le e-commerce. C'est un révélateur de tendance qu'on publie chaque année ensemble. Et sur quel sujet Cette année, c'est sur la responsabilité sociale de l'e-commerce. C'est un vaste sujet, vous pouvez vous demander est-ce qu'il est important en réalité. Alors moi, quand je ne sais pas, je regarde chez Google. Je tape Responsabilité sociale de l'e-commerce sur Google, ça me donne 59 millions de résultats. C'est pas mal. Quand je tape élections États-Unis ce matin, ça me donne juste 24 millions de résultats. Donc ça veut dire que la responsabilité sociétale de l'e-commerce est deux fois plus importante sur Google que l'élection américaine. Voyez Donc aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps malgré l'importance du sujet pour tout vous dévoiler. Je crois que j'ai 10 minutes et je vais le faire en vous livrant simplement les grandes lignes, les résultats principaux d'une quinzaine d'entretiens à peu près et d'une enquête majeure auprès de e-commerçants très nombreux et de milliers de consommateurs qui achètent en ligne, c'est-à-dire les cyber-acheteurs. En résumé, je vous livre tout de suite, nous avons un triple paradoxe. Le premier, il est autour des cyber-acheteurs. Les cyber-acheteurs, il y en a 40 millions en France, c'est beaucoup. Et les consommateurs online se disent tous plus responsables et expriment des attentes en matière de RSE. Ce que vous voyez à l'écran, 70%. 58% sont des chiffres importants et j'en rajoute un autre, 94% qui trient leurs emballages. Vous voyez, donc on est vraiment dans un désir de responsabilité du consommateur, mais regardons les faits. 14% seulement considèrent la RSE comme un des deux critères les plus importants dans le choix d'un site marchand. C'est moins. Et puis 75% vont acheter des produits recyclés, mais pas pour l'environnement pour des raisons budgétaires. Une vaste majorité des consommateurs en ligne privilégient et utilisent des sites étrangers, encore un Français sur deux, par exemple, va utiliser Amazon, et 56% réduisent volontairement leur consommation. Alors vous direz, bah, c'est bien, mais c'est simplement par des raisons budgétaires, notamment précipitées par la crise du Covid. Et donc, vous voyez, ce paradoxe, c'est qu'il y a encore un gap, un fossé entre la pensée et l'action du côté des consommateurs, des cyberacheteurs, et pour moi l'important c'est de réconcilier la pensée et l'action et comme disait l'écrivain Gustave Lebon, la pensée sans action est un vain mirage. Donc il faut vraiment aller au-delà de la conceptualisation du côté consommateur de la responsabilité pour aller vers l'action davantage et toujours. Le deuxième paradoxe, c'est pas celui des consommateurs, c'est celui des e-commerçants. Ils s'emparent du sujet, ils ont pris conscience de la responsabilité sociale importante de l'entreprise. Et pourquoi Parce qu'il y a des contraintes réglementaires, parce que les attentes des consommateurs, notamment les millennials aujourd'hui et puis leurs successeurs, la, géné la génération Z, sont très, très friands de responsabilité sociale et expriment vigoureusement leurs attentes, notamment sur les réseaux sociaux et Instagram. Et troisièmement, les e-commerçants prennent conscience que ça peut être aussi cette responsabilité sociale, un levier de différenciation pour leur marque, pour leur service, pour leur travail. Et donc on observe, voyez les chiffres à l'écran, 58% des e-marchands qui considèrent la prise de conscience environnementale ancrée chez les consommateurs, 81% des e-marchands considèrent tous les sujets de responsabilité sociétale comme prioritaires, mais bien au-delà, certains vont se certifier comme entreprise à mission, comme entreprise qu'on appelle Bicorp, qui est une certification mondiale de responsabilité sociale, vont adhérer au pacte mondial des Nations Unies et travailler sur les, ce qu'on appelle les Sustainable Development Goals. Mais le deuxième paradoxe, c'est qu'on est là encore, encore loin du compte. Moins de 50% des entreprises vont donner leurs invendus aux démunis, aux associations qui s'en occupent. Le critère RSE, c'est le moins bon score dans le palmarès favori commerce. C'est le moins bon score encore sur cinq, score, sur cinq critères. Moins de 10% des e-commerçants ont mis en place des initiatives de réduction de l'empreinte environnementale carbone, notamment pour la livraison. Et moins de 30% ont déjà lancé des initiatives en ce sens. Donc vous voyez, là encore, du travail côté consommateur et deuxième paradoxe du côté e-commerçant qui ont envie... D'être plus responsable, d'être plus engagés pour l'environnement, pour la planète, pour la santé, pour le bien-être, mais qui ont encore des challenges et des difficultés à surmonter. Il y a encore du boulot. Alors, quelle démarche Parce qu Ils font des choses, clairement. Il y a deux piliers, environnement et social. L'environnement, vous le voyez à l'écran, beaucoup de choses sur les produits, l'économie circulaire, les emballages, l'impact environnemental des bureaux, des entrepôts. Et du côté social et sociétal, c'est aussi de plus en plus important. C'est incontournable. Ce n'est pas seulement l'environnement aujourd'hui, c'est toute la société sur laquelle les e-commerçants travaillent. Du côté employeur responsable, diversité et inclusion, on le voit avec Black Lives Matter, on le voit avec la, le, le leadership au féminin, des sujets extrêmement prioritaires sur le genre, euh, sur l'ethnie. Le, 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 Acteurs économiques locaux, c'est très important et les e-commerçants sont vraiment bien ancrés dans le tissu local aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure. Vous avez quelques exemples à droite, on n'a pas pu tous les citer, mais de produits éco-responsables, de services de plus en plus présents en ligne, euh, qui proposent des, des, des choses engagées pour la planète, pour l'environnement et pour les, pour les personnes. Leur business model, pour beaucoup d'entre eux, est ancré même dans le principe de RSE. La seconde main, le bio, le local, le recyclé. Le solidaire, moi-même j'ai pris des chaussures ce matin. Je ne sais pas si on peut zoomer dessus, c'est peut-être plus plus compliqué, mais j'ai pris des chaussures qui sont entièrement faites à partir de matériaux recyclés et en plus à partir de couleurs vertes, voilà pour le caméraman euh, pour illustrer ce green deal. Donc le L'ambiance est vraiment, voyez les chaussures, voilà. L'ambiance est vraiment sur l'éco-responsabilité et puis plus largement sur ce green deal, cette responsabilité sociétale complète. Je rappellerai Lizzie, qui est le, le vainqueur de notre Start Me Up challenge la semaine dernière avec KPMG et la FEVAD, qui sont lauréats justement sur une solution logistique qui permet aux enseignes de se lancer dans l'économie circulaire via la location de produits. Donc des exemples à suivre. Beaucoup, beaucoup d'exemples. J'avance parce qu'il me reste déjà peu de temps. Euh, une meilleure information produit, par exemple, pour éclairer les choix des consommateurs. Une meilleure contribution à l'économie circulaire. Ça, c'est très, très important. Et on souligne ici, évidemment, la nouvelle loi de l'AGEC qui est sur la, comment, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et qui pose des challenges aux e-commerçants. Ce n'est pas si facile d'appliquer cette loi de 2020, la reprise de l'électroménager, de l'électrique, par exemple, la collecte de données nécessaires à l'éco-contribution sur les produits vendus, dont ils n'ont pas forcément le, la donnée originelle sur les produits qu'ils qu revendent. Donc je salue à ce propos l'initiative de la FEVAD. Avec ses partenaires euh, qui sont là pour aider les e-commerçants à se conformer à cette loi pas si simple, AGEC. Euh, D'autres sujets que les e-commerçants traitent, évidemment, et je vous laisserai lire l'étude, il y a tellement de choses, vous la lirez dès demain des emballages plus éco-responsables, la réduction du vide, hyper important. On a plus de 50% des colis expédiés qui sont vides. Donc, on porte du vide. On fait travailler des camions pour porter du vide. Je voyais ce matin, on vous montrera peut-être la photo plus tard, un camion La Poste qui s'engage à ne pas transporter du vide juste devant en arrivant au studio. C'est intéressant. Les transports, justement, parlons en. La réduction de tout ce qui est l'empreinte carbone est hyper importante. Et j'ajouterai à ce que vous voyez sur cette page en termes d'initiative des e-commerce en matière de transport, le gain qu'on a côté consommateur puisqu'on a calculé dans notre étude que chaque achat online permet d'éviter un déplacement en voiture du consommateur qui sinon serait allé jusqu'au magasin et dans 70% des cas pour une moyenne de 12 km aller-retour. Donc on est bien sur l'éco-responsabilité à fond. C'est enfin un acteur, c'est le dernier volet de l'étude, le e-commerçant, un employeur économique, social, bien meilleur. Je salue des initiatives solidaires euh, au-delà de la diversité et de l'inclusion de très nombreux e-commerçants euh, e sur le hashtag e-commerce for good en termes de Covid. La Redoute, Greenweiz, VP. Qui ont fait vraiment des superbes initiatives pendant tout le Covid, de dons, d'euros de, de, sur les commandes retransmises aux hôpitaux, de livraison de masse, de livraison de repas. Donc merci à ces trois-là et à tous les autres que je n'ai pas le temps de citer, mais qui figurent dans l'étude. Dans et en conclusion, parce que je vois que le temps passe très, très vite, euh, on a euh, un troisième paradoxe. Je vous l'annonçais à l'entrée. Le troisième paradoxe, c'est celui de cette crise majeure du Covid. Elle est un désastre sanitaire et économique, on le sait. Mais soyons optimistes, voyons la comme un accélérateur de tendance, et notamment sur la RSE, les consommateurs et les cyberacheteurs vont être et vendre et acheter du bon, du sain, du local, une accélération du e commerce on l'a vu, la livraison à domicile, le click and collect, le drive sont en plein boom à partir du, de, du premier confinement, et un accélérateur de tendance sur l'innovation. Enfin, on voit une prolifération de startups, malgré le Covid, malgré le confinement, qui sont maintenant sur ces enjeux à la fois de e-commerce et de RSE. Voilà ce troisième paradoxe. Lisez l'étude, vous en avez tous les détails à l'écran, et je crois qu'elle paraît officiellement dès demain sur tous les réseaux. Je vous remercie infiniment. Désolé, on agit aussi comme un accélérateur de prise de parole avec des temps très serrés. On va continuer à parler de cette étude en recevant tout de suite ce Marc L'Olivier, délégué général de la Fevad.